بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux qui nous a réunis dans sa maison en cette soirée du 27e Rajab pour évoquer un événement extraordinaire de la vie de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de recevoir la révélation. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et durant les premières heures et les premiers jours de sa rencontre avec l'ange Djibril, il a besoin de protection et de réconfort. Il se questionne, il a peur, il pense avoir été touché par le mal tellement ce qu'il a reçu est puissant. C'est alors qu'auprès de lui, il y a sa femme Khadija radiallahu ta'ala anha, la mère de ses enfants. Elle le rassure, elle le console, elle lui permet de grandir. Par son amour, elle est son abri. Il trouve le repos de son cœur auprès d'elle. Le temps passe et la révélation devient de plus en plus régulière. Et le message que reçoit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se fait de plus en plus exigeant. Il commence à attirer du monde autour de lui. Dès lors, il se retrouve face à l'opposition de son peuple. Un des compagnons raconte « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la période du paganisme dire aux gens « Dites, il n'est de Dieu que Dieu, vous connaîtrez le succès. Qul, la ilaha illallah tuflihun. » Des gens lui crachèrent au visage. D'autres lui jetèrent de la terre. D'autres l'insultèrent jusqu'à l'heure du midi. C'est alors qu'une femme vint avec de l'eau. Il se lava le visage, les mains et dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas pour ton père. » C'était sa fille Zainab, radiallahu anha. Une autre fois, assis à l'ombre de la Kaaba, pendant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait, les notables de Makkah envisagèrent de le tuer. Uqba ibn Abi Mu'id se leva, étrangla violemment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec son pagne, jusqu'à le faire tomber sur les genoux. Les gens crièrent et pensèrent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mort. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arriva et dit, « Tuez-vous un homme juste parce qu'il dit, mon Seigneur est Dieu. » Ils laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reprit sa prière. Une autre fois, les Mécois frappèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il s'évanouit. Une nouvelle fois, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arriva en disant, « Tuez-vous un homme juste parce qu'il dit, mon Seigneur est Dieu. »
Ils dirent, qui est cet homme? Ils répondirent, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et eux disaient, le possédé. Ils laissèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'en prirent à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Pour retenir cette haine grandissante des siens, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, possède à ce moment-là, à ses côtés, une protection de poids, celle de son oncle Abu Talib. Le père de son cousin et de son futur gendre, Ali radiallahu anhu. Son oncle bénéficiait d'un grand respect de la part de son peuple et personne n'aurait osé s'attaquer directement et ouvertement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les années passèrent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre l'une des périodes les plus difficiles de sa vie et de sa mission. Celle qui était son réconfort, celle qui l'avait aidé à grandir, celle qui lui avait offert la paix, Khadija radiallahu anha allait le quitter. Elle retourne vers son Seigneur, car chaque chose a un terme. Son oncle Abu Talib, qui après le décès de son père, avant sa naissance, le décès de sa mère, de son grand-père, avait été un autre père pour lui, eh bien Abu Talib lui aussi va quitter ce monde. Jamais, durant la vie d'Abu Talib, un homme ne s'est attaqué physiquement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre une épreuve terrible. C'est l'épreuve de l'absence et l'épreuve de la solitude. L'épreuve de l'absence et l'épreuve de la solitude. Les persécutions se font de plus en plus dures. Les compagnons, radiyallahu anhum, musulmans, pour la plupart, sont exposés, torturés, persécutés. Il faut absolument qu'ils trouvent une issue rapide. Ils décident de quitter Makkah et d'aller chercher refuge à Taïf. Arrivés là-bas, ils se retrouvent face à l'opposition des chefs des clans et de leurs moqueries. Ils finissent par être humiliés en étant poursuivis et lapidés par les jeunes garçons de la ville. Ils arrivent à se sauver, à se mettre à l'abri. Et dans un moment de solitude et de peine, il adresse une longue prière à Allah, dont les mots sont magnifiques. Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati. Il dit, Seigneur, je me plains à toi de ma faiblesse. Seigneur, je me plains à toi de ma faiblesse. C'est toute la sagesse de l'attitude à avoir dans l'épreuve lorsqu'on dialogue avec Allah. Le 15 mars 2019, 50 musulmans furent frappés alors qu'ils étaient en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve, ça a été l'épreuve de la Oumma. Lorsque le peuple le plus persécuté sur terre subit jour après jour des humiliations, des brimades en Birmanie, c'est l'épreuve de toute la Oumma. Lorsqu'en Chine, des musulmans sont en train d'être exterminés dans le silence du monde. C'est l'épreuve de la Oumma. Mes chers frères, nous avons la chance de vivre dans un havre de paix. Nous avons parfois l'impression que nous ne vivons pas dans le même monde. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui pourraient être nos pères, nos mères, sont en train de subir la faim, sont en train de subir des persécutions, sont en train de mourir chaque jour parce qu'ils ont « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » dans leur cœur. Tout comme il y a 15 siècles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était allé chercher refuge à Taïf. Il a été humilié, tout comme ses compagnons étaient exposés, torturés, persécutés. Mes frères, le mi'raj, c'est cette leçon pour chacun d'entre nous. Et lorsque un homme arrive à la limite de son épreuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le chemin. Il confie à Allah les limites de son être. Il n'éprouve aucun doute quant à la véracité de sa mission. Nous sommes musulmans. Parce que nous sommes musulmans,
Allah a révélé sur Muhammad Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, le livre qui a été révélé sur toi afin de tirer les gens de l'obscurité et de les emmener vers la lumière, dans la sourate Ibrahim. Allah nous rappelle cela. Alors, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, aide-moi, oh Allah, j'ai épuisé mes forces. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment leur parler. Lorsque l'épreuve nous fait vivre la limite ultime de notre être, nous réalisons alors le sens profond de notre humilité. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une porte s'ouvre. Quand les compagnons disaient « Mata nasurullah, quand viendra l'aide d'Allah ?» Alors Allah répondait dans le Coran « Ala inna nasrallahi qarib, sachez que l'aide d'Allah est proche. » À ce moment-là, un soir, selon une version dans la nuit du 27e Rajab, selon une autre version dans le mois de Ramadan, selon une autre version dans le mois de Rabiul Awwal, dans une autre version dans le mois de Rabiul Akhir, peu importe. Mais l'événement est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se reposer dans la maison de sa cousine, Hani, radiallahu ta'ala anha. Jibrail alayhi salatu wa sallam arrive, il masse les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réveiller. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ouvre les yeux et il le fait sortir par le toit de la maison, indiquant par là que tout ce qui va arriver ce soir est du domaine de l'extraordinaire. Il l'emmène dans le Hatim, ce qui fait partie de la Kaaba, parce que les Quraysh n'avaient pas assez d'argent halal, licite, eh bien ils n'avaient pas complété toute la bâtisse de la Kaaba. Il allonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va l'opérer. Il a deux bols. Dans l'un, il a l'eau de Zamzam. Et dans l'autre, il a l'iman wal hikma. Il a la foi et la sagesse. Il ouvre la poitrine du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pas une goutte de sang ne va sortir. Pas une goutte de sang. Première opération de ce genre dans l'histoire de l'humanité. Les musulmans auraient dû être ceux qui sont à la pointe dans la médecine, parce que nous avons le premier exemple de l'histoire de l'humanité. Il prend le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le lave avec l'eau de Zamzam. Il le lave avec l'eau de Zamzam, pas avec l'eau du paradis, parce que l'eau de Zamzam est l'eau la plus bénie, la plus pure qui existe. Puis il prend iman et hikma, et puis il met cela dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il remplit cela, il enlève tout ce qui aurait pu provoquer, eh bien, l'effet de shaitan sur la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il remet le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ferme la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il l'emmène vers le buraq. Le buraq sera la monture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa tenue. C'est un animal de couleur blanche. Il est de la longueur. Il est un peu plus grand qu'un âne, un peu plus petit qu'un mulet. C'est un animal qui est ailé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit sur le buraq, Jibril alayhi salatu wa sallam a cette formule. Il dit, pour jamais dans l'histoire avant, aujourd'hui, ni jamais après, un être aussi noble, un être imprégné d'une telle grandeur n'aura chevauché cet animal. Le buraq, lorsqu'il fait une enjambée, eh bien, il atteint l'horizon, là où les yeux de l'homme peuvent voir. Allah subhanahu wa ta'ala, relatant cela dans le Saint-Coran, il dit « Subhan, Subhan, regardez le Coran entier, 114 chapitres, 6636 versets, le seul chapitre du Coran qui commence par Subhan, Subhan, c'est la sourate Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit gloire et pureté, il annonce aux musulmans, il leur dit ce qui va se passer ce soir est extraordinaire. Il est au-delà de l'imagination biologique, physiologique, physique, cosmique, de l'astrophysique. Jamais quelque chose de semblable ne se sera produit. Subhan alladhi asra, celui qui fit voyager de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant le terme asra, nous rappelle quoi? Il nous rappelle que lorsque tu es dans la solitude, lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu te sens acculé, lorsque tu sens que tout se dérobe autour de toi, réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit et prie devant Allah.
Lorsque, troisième sourate du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le message de l'islam, les gens de Mecca se moquent de lui. Certains disent c'est le magicien, d'autres disent c'est le possédé. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, triste, il a pris un manteau et il s'est couvert. Et Allah, il s'est enveloppé. Et Allah dit, ya ayyuhal muzammil, oh l'enveloppé, comme il layl, lève-toi la nuit, illa qalila, ne serait-ce qu'un instant, lève-toi devant Allah, 10 minutes, pour que yawmul qiyama, nous soyons de ceux qui se seront levés devant Allah. Chaque vendredi, nous le récitons dans la salatul fajr, tatajafa junubuhum alil madaji'i yad'un, ceux qui lèvent leurs flancs pour Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanalladhi asra bi'abdihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui a fait voyager son serviteur. Dans ce monde, lorsque quelqu'un est honoré, il devient secrétaire d'État. Lorsqu'il est honoré, il devient ministre. Lorsqu'il est honoré, il devient chevalier de la Légion d'honneur. Il reçoit toutes sortes de titres dans ce monde. Devant Allah, l'honneur devant Allah, c'est qu'Allah dise, Yé mera banda, ça c'est mon serviteur. Abdi, abdi. Lorsqu'Allah nous parle dans le Coran, il dit, Ya ibadi, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Oh mon serviteur, ni crainte, ni tristesse sur toi. Ça c'est Allah. Quand Allah aime son serviteur, Allah le guide vers l'humilité. Allah le guide vers la servitude. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait voyager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette nuit. Et il a, en chemin, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter et va faire 2 raka'at à Madina, là où il fera l'immigration plus tard. Puis il fait une nouvelle escale à l'endroit où son père, son aïeul, Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il est né. Puis arrivant à proximité du Baytul Muqaddas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sent un parfum extraordinaire, magnifique. Il demande à Jibril, mais c'est quoi ce parfum? Il lui dit, c'est la servante, eh bien, de l'épouse de Pharaon qui avait refusé de renoncer au tawhid et Pharaon l'avait assassiné, elle et ses enfants. Ses os, eh bien, elle est enterrée à cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite arrive au Baytul Muqaddas. Lorsqu'il arrive au Baytul Muqaddas, eh bien, il va attacher sa monture, son buraq. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans le Masjid al-Aqsa. Et tous les anbiya alayhi salatu wa sallam, ils sont présents. Pourquoi le Masjid al-Aqsa? Pour nous montrer que chaque musulman, chaque ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur, il doit avoir de la mahabba, de l'affection, il doit y avoir un sentiment particulier pour le Masjid al-Aqsa. Parce que quelqu'un qui n'aime pas le Masjid al-Aqsa, quelqu'un qui n'est pas concerné par ce qui touche le Masjid al-Aqsa, un jour il sera détaché de ce qui touche le Masjid al-Haram et le Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois masajid sont intimement liés. Et Allah l'emmène à Jérusalem au Masjid al-Aqsa pour montrer que maintenant la Qibla jusqu'à Yawm al-Qiyamah va changer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va diriger la prière. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il pose la question, il dit, mais comment est-ce que ces prophètes sont revenus? Il dit qu'il y a deux options. Première option, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala fait revenir l'âme des anbiya alayhim salatu wa salam. Deuxième explication, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revenir tous les anbiya alayhim salatu wa salam. Et lorsque ces anbiya alayhim salatu wa salam sont là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dirige la prière. Pourquoi? Pour montrer que Moussa, Isa alayhi salatu wa salam ont apporté un message. Si demain ils revenaient sur terre, ils devraient suivre le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu sceller le message de la révélation. Telles des personnes qui avaient construit un édifice, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rejeté par les hommes de Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala, en cette soirée extraordinaire, le fait, eh bien, accepter par tous les anbiya alayhimus salatu wassalam, par les anges, par les habitants du ciel. Et
Ensuite, Jibrail alayhi salat wa salam, selon une version à ce moment-là, selon une autre version à son retour du ciel, lui présente deux verres. Dans le premier, il y a du lait, et dans le second, eh bien, il y a du vin. Dans une autre version, il y avait trois verres, dans le troisième, il y avait de l'eau. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa salam va choisir le lait. Jibril alayhi salat wa salam lui dit, tu as choisi la fitra, la bonne intuition. Mes chers frères, je voudrais à ce moment attirer votre attention sur quelque chose. Notre prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa salam a choisi le lait, il a choisi la bonne nature, il a choisi la fitra, il n'a pas choisi le vin. Malheureusement, il arrive que l'être humain, il a des faiblesses. On a tous des épreuves. Vous avez vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été éprouvé. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé? Trop de nos jeunes aujourd'hui et des moins jeunes ont succombé à la tentation de l'alcool. On prend du vin, on prend du champagne dans certaines soirées. D'autres fois, on prend de la bière et on met eh bien, dans des bouteilles d'eau minérale pour tromper et on consomme de cela. C'est notre devoir à tous de faire attention. De faire attention lorsque j'ai des enfants. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, j'aurai des comptes à rendre. Ou anfusakum, lorsque Zakwan a lu le verset suivant, de là où il s'est arrêté, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ou anfusakum wa ahlikum nara » « Protégez-vous et votre famille de l'enfer. » Il faut protéger. Première chose où Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger, c'est cela. Un papa, il doit parler avec ses enfants. Il doit faire attention. Mon enfant, voilà les dangers de la société aujourd'hui. Ne succombe pas à cela. L'objectif, une fois encore, j'insiste et je répète, ce n'est pas de pointer le doigt, ce n'est pas de juger et de dire qu'un tel, il est comme ça. Mais nous ne pouvons pas continuer à se dire, c'est un fait de société, c'est comme ça. Nous vivons dans la société, nous sommes musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Ce soir, nous sommes dans la maison d'Allah. Personne présent ici ce soir n'a choisi d'être là. Nous avons été choisis par Allah. Personne n'est venu de son propre chef. Allah nous a guidés. Ce Allah qui nous a guidés ce soir, eh bien, ce même Allah, il veut le paradis pour nous. Allah, il veut le bien pour nous. Allah, il veut le bien pour nos familles. Allah, il veut le bien pour nos enfants. Aujourd'hui, il y a un danger. De jeunes musulmans sont en train de quitter l'islam. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est-à-dire que ça commence par l'alcool. Lorsque l'alcool rentre dans le corps, dans ce sang-là, il circule. Après, tous les dangers sont là. Alors, mes frères, il faut, dans la maison, parler d'Allah. Si un papa, le matin, lorsqu'il se réveille, il ne lit pas le Coran, comment son enfant va lire le Coran? Si un enfant, lorsqu'il se réveille le matin, il ne voit pas son papa et sa maman faire la salade, comment est-ce qu'il va faire la salade? Si un papa et une maman n'insistent pas avec leurs enfants sur l'exigence sur le halal, comment cet enfant-là il va comprendre ce que c'est que le halal? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensuite, il monte au ciel. Là, c'est la deuxième partie de son voyage. La première partie du voyage s'appelait Isra, maintenant commence Mi'raj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive au premier ciel. Il va rencontrer Sayyidina Adam alayhi salat wa sallam. Ensuite, il arrive au deuxième ciel, il va rencontrer Yahya et Isa alayhim salat wa salam. Au troisième ciel, il va rencontrer Yusuf alayhi salat wa salam. Au quatrième ciel, il rencontre Idris alayhi salat wa salam. Au cinquième ciel, il rencontre Harun alayhi salat wa salam. Au sixième ciel, il rencontre Moussa alayhi salat wa salam. Et au septième ciel, il rencontre Ibrahim alayhi salat wa salam. Chaque fois que les autres prophètes l'ont accueilli, eh bien, ils ont dit, Adam a dit, mon fils, mon prophète. Les autres, ils ont dit, notre frère, prophète. Ibrahim, alayhi salat wa salam, selon une version, se met debout, mais selon une autre version, il reste assis à la Kaaba du ciel, qui s'appelle le Baytul Ma'mour. Cette Kaaba-là, tous les jours, 70 000 anges font le tawaf autour de cette Kaaba. Elle se trouve juste au-dessus de la Kaaba qui se trouve à Mecca.
Ibrahim alayhi salatu wassalam reste appuyé et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qui vient vers lui. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arrive à proximité, Ibrahim se met debout, il fait l'accolade et il embrasse Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, il dit « Mon fils, comment vas-tu ?» Il nous montre par là que quel que soit le statut d'un enfant dans la société, son père reste toujours au-dessus de lui. Le adab, le respect qu'un enfant doit avoir pour son papa, eh bien, le papa reste toujours supérieur. Le fils peut être le plus grand savant sur terre, l'homme le plus intelligent, peu importe ce qu'il peut faire, mais il doit toujours respecter son père. On dit que Ibrahim et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avaient une grande ressemblance. Ibrahim alayhi salatu wa salam est celui qui va transmettre le salam à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire que le Jannat est une terre qui est vaste, fertile. Dis à ta communauté de lire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il monte au-delà du septième ciel, il arrive jusqu'à Sidratul Muntaha, le jujubier de la limite. Et l'archange Jibril alayhi salatu wa salam lui dit que là, moi je ne peux plus t'accompagner parce que au-delà, je risque de me faire consumer par l'énergie de la lumière divine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue d'avancer. Il arrive à un endroit où il entend le bruit des plumes des anges qui sont en train d'écrire le destin. Alors, lorsque viendra la période de Laylatul Qadr, inshallah, il y aura l'occasion d'expliquer le destin, mais une chose. Quelqu'un qui veut changer son destin, c'est-à-dire il veut vivre plus longtemps. Quelqu'un qui veut avoir plus de barakat dans sa vie. Quelle action cette personne se doit de faire? Elle doit respecter les liens de parenté. Quand quelqu'un respecte les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il met barakat dans la vie de cette personne. Les liens de parenté, ce sont ceux qui ont rompu les liens avec nous. Nous, nous allons vers eux. Certaines fois, ça peut être un tcha-tcha, un oncle paternel, un oncle maternel, ou bien une tante. Aller vers eux, renouer. Et surtout là, la période est propice avant l'avènement du mois béni de Ramadan, où il est très important de mettre toutes les choses à plat. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire voir différentes choses, notamment le paradis et l'enfer. Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim » Il dit, il donne l'information, le khabr, à mon serviteur, que je suis pardonneur et que mon châtiment est douloureux. Pas pour nous faire peur, pour que nous prenions conscience qu'il faut préparer akhirat. On va tous mourir. On a vu cette année, les records de décès sont explosés. Qui est le prochain sur la liste? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ici. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous relater certaines choses qu'il a vues dans l'enfer. Première chose, il a vu qu'on fracassait la tête d'un homme avec une pierre. Et la tête de cet homme-là devenait comme de la viande hachée. Et alors il a dit, c'est quoi ça? Et ça fait peur. Il a dit, selon une version, c'est la personne qui dort sans faire la salade de Aïcha. Et selon une autre explication, écoutez bien, c'est la personne qui va faire la salade, mais avec paresse. Dans le cinquième sipara, il y a ça. « Qumu ila salati, qamu ila salati, kusala ». Ils se mettent debout pour la prière avec paresse. Je viens là, je viens, je viens, je viens. Il n'y a pas cet enthousiasme pour faire la salade. Imaginez si quelqu'un fait la salade avec paresse, il a ce châtiment et celui qui ne fait pas namaz. Dans la salade, il y a tellement de bienfaits. Pour cette salade que nous avons, nous allons voir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il est monté et descendu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah lui a donné 50 salats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa lui dit, remonte, il redescend, 5. Jamais, aucune umma n'a eu 5 namaz. Les Bani Israël avaient 2 namaz, Fajr et Asr, 2 rak'at Fajr, 2 rak'at Asr.
C'est pour ça que Moussa alayhi salat wa salam, il pensait qu'on n'allait pas pouvoir faire namaz. 5 namaz. Jamais aucun umma n'a eu masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ju'ilatil ardu li masjida. Allah a fait pour ma communauté la terre entière un lieu de prière. Jamais aucune communauté n'a eu adhan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à notre communauté adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les gens qui auront le cou le plus long yaoum al-qiyama, ce sont ceux qui font adhan pour montrer combien ils seront honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelqu'un qui fait la salat, Allah lui donne son rizq, Allah lui donne sa subsistance. Personne fait la salat, Allah le protège contre le châtiment de la tombe. Quelqu'un fait la salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son livre de compte dans la main droite. Quelqu'un fait la salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait traverser le pont Sirat à la vitesse de l'éclair. Quelqu'un fait la salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait rentrer dans le jannat sans hisab. Facilement, avec facilité, il va rentrer dans le jannat. Salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Aïcha et Fajr sont deux namaz très difficiles pour les munafiqs. Dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, munafiq, c'est celui dont iman, il est malade. Jamais un musulman ne peut dormir sans avoir l'intention de se réveiller pour la salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait pour namaz Fajr, même en rampant, aller à la salat. On ne peut pas manquer namaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir ensuite des personnes, des hommes et des femmes nus, et c'est le feu qui est en train de brûler ces personnes. Il dit, ça c'est qui? Il dit, ça c'est les gens qui ne faisaient pas rosa, qui ne jeûnaient pas. Dans quelques jours va débuter le mois de Ramadan. Il arrive parfois maintenant que des personnes ont cette réflexion, mais oui, il faut être compréhensif, il faut de la tolérance, on travaille, et donc... Aujourd'hui, on a telle épreuve, on ne va pas jeûner. Non, rosa, c'est farz. C'est obligatoire, on ne manque pas. Pour tous les ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, celui qui fait ce ibadat, il va avoir jannat. Pour rosa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la récompense du jeûne, c'est moi. Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm wa ana ajzi bihi ay ujza bihi. Toutes les actions de l'enfant d'Adam alayhi salatu wassalam, eh bien, il va être récompensé. Mais rosa, c'est moi personnellement. Je suis la rétribution du jeûne. Troisième catégorie de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans l'enfer. Eh bien, il a vu des hommes et des femmes qui étaient comme dans un four. Et le feu les soulevait. Et puis ils retombaient. Et puis, de nouveau, le feu les emmenait. Ils consumaient. Et puis ils revenaient. Ainsi de suite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande, ça c'est quoi? On a dit, ça c'est les gens qui font zina. L'adultère. Des hommes mariés, des femmes mariées qui font l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un sahaba, il est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi l'autorisation de faire l'adultère. Omar radiallahu anhu, les autres sahaba étaient là, étaient en colère. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, calmez-vous, calmez-vous. Il a dit, tu as une maman? Il a dit, oui. Est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un fasse l'adultère avec ta mère? Il a dit non. Avec ta sœur? Non. Avec ta tante? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité toutes les personnes avec qui il pourrait avoir des liens. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé droit. Il a dit, oh Allah purifie son cœur. Oh Allah protège sa partie intime, etc. Cette personne, il dit, jamais quelque chose ne m'a été autant détestable eh bien, que le zina. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, faire zina, c'est devenu très facile, mes frères. On se connecte, on échange. Au début, on dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On parle. Et puis, au bout de 2 semaines, 2 mois, 3 mois, on commence à prendre certaines libertés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit ne faites pas l'adultère. Il a dit wala taqrabuz zina. Ne vous approchez pas de l'adultère. Ne vous approchez pas de l'adultère. Si quelqu'un il a fait des erreurs dans sa vie, il demande tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose à ne jamais faire, c'est de minimiser le mal que j'ai fait. Quel que soit le mal que j'ai fait, Allah, il est pardonneur. Retenez ça bien. Quel que soit le mal que j'ai pu faire, Allah, il est pardonneur. Au moment où je parle, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que nous avons fait hier? Allah, il connaît. Il n'y a pas un homme qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie. Nous avons tous fait des erreurs dans nos vies. Mais ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tawbah, c'est quoi? Tawbah, c'est regretter.
avoir le remords. Ramadan arrive, Sha'ban arrive, Shab-e Barat arrive. Avant toutes ces périodes importantes là, dans mon cœur, je regrette que ya Allah, j'ai fait ça. Mais les ulama ikram, ils expliquent, ils disent que certaines fois, les péchés qu'on a faits vont nous donner une telle humilité qui va, cela va nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Parfois, quelqu'un, il fait tellement de bonnes œuvres, il succombe à l'orgueil ensuite. Et Allah n'aime pas l'orgueil. Donc, quel que soit le mal que nous ayons pu faire, on demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les anges qui, avec des ciseaux, ils coupaient la bouche de certaines personnes. Allah nous protège. Ce sont ceux qui prêchaient pour diviser les gens. Qui ne prêchaient pas l'union. Ça, c'est une version. Deuxième version, ce sont ceux qui prêchaient le bien aux gens et qui s'oubliaient eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des Bani Israël, « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ » Vous ordonnez le bien et vous oubliez vous-même alors que vous êtes en train de lire le livre. Hazrat Maulana Tariq Jamil, il a cette formule que je trouve tellement belle. Il s'adresse à des milliers de gens. Il leur dit « مَنْ قَسَمْكَ هَتَاهُ » Je fais qasam. « كِتُمْ سَبْ مُخْلِسْهَا » Que tous ceux qui écoutent les bayans, ils sont sincères. Vous connaissez des gens qui vont s'asseoir là pendant 40 minutes par ostentation. Ils disent non. « مَنْ قَسَمْ نَهِكَ هَسَكْتَاهُ » Que celui qui est assis sur le mimbar, il ne peut pas faire de qasam que lui, il est sincère. Il dit peut-être que moi, lorsque je parle, c'est par ostentation. Et j'ai besoin de demander istighfar avec Allah. Il dit, ah, vos zamana, cette époque, jamais rewin par cheltata, lorsque j'étais à rewin et que je marchais, koi mujinahi jantata, personne ne me connaissait. Uswart, à cette époque-là, j'étais mukhlis. Donc, ikhlas, c'est quelque chose qu'il faut construire, jour après jour. Cinquième qualité de personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, on met de la viande avariés et de la bonne viande devant eux, ils mangent de la viande avariée, comme de la viande de cadavre. Ce sont ceux qui font la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-riba ashaddu min az-zina ». La médisance, c'est pire que l'adultère. Pourquoi ? Quelqu'un qui fait zina, il a conscience que ce qu'il a fait, il est mal. Mais quelqu'un sort du masjid, vous avez vu Ali là ? Allez, j'ai fait la ribat, j'ai fait la médisance. Je n'ai pas la conscience de demander tawba, istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regarder quelqu'un dire « Bougla, les petits, hein, ça aussi c'est ribat. Ça aussi c'est la médisance. Il faut faire attention. Certaines fois, pendant un mois, nous allons faire rosa. Mais une parole va tout détruire. Allah subhanahu wa ta'ala déteste toute forme d'avarice. Une seule avarice, Allah aime. Quelle avarice ? L'avarice dans la parole. Quelqu'un qui se tait, qui observe le silence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens, on mettait des boules de feu dans leur bouche. Allah nous protège. Ce sont ceux qui consommaient de ce qui avait une provenance illicite, du bien des orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens dont les ventres, dans la tête, dont le ventre était comme des maisons, et dans lesquelles il y avait des vipères. Et Rasulullah, il a demandé c'est qui ? Il a dit ce sont ceux qui mangent de l'usure. C'est de notre devoir de savoir travailler de manière halal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le médicament. Nous allons tous mourir, mes frères. Lorsque nous allons mourir, nous allons repartir les mains vides comme ça devant Allah. Les seules choses que nous allons présenter devant Allah, ce sont nos a'mal. Une nouvelle fois, quelle qu'ait pu être ma vie antérieure, j'ai la force, j'ai le pouvoir, j'ai le choix de demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et de changer ma vie. Les Bouzurgan Edine disent une parole extraordinaire. Ils disent, comprenez bien, ce qui est haram, on a toujours en grande quantité. Ce qui est halal, on a toujours en petite quantité. Dans le haram, il n'y a pas de tranquillité du cœur. Dans le halal, il y a la quiétude, il y a la sérénité, il y a izzat, il y a l'honneur. Dans le haram, il y a le déshonneur. C'est un choix à faire. Mais c'est un choix de vie que tous ensemble, nous devons être capables de faire, mes frères. Les musulmans se doivent de réfléchir, de construire pour
que eux et que demain leurs enfants puissent avoir un rosi halal. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu aussi quelque chose de ajib. Et nous devons maintes et maintes fois remercier Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir suscité dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez savoir qu'auparavant, eh bien, on transformait le visage des gens. Ils étaient défigurés. Certaines fois en porc, d'autres fois en singe. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ce soir-là des gens qui avaient le visage, la tête de porc et le corps humain. Il a demandé qui sont ces gens-là. Alors Jibril alayhi salatu wa sallam lui a dit, ce sont ceux qui font de faux témoignages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui me donne la garantie de quatre choses, je lui donne la garantie du jannat. Quatre choses. Première chose, de toujours dire la vérité. Deuxième chose, d'être fidèle dans toute chose. D'être fidèle dans toute chose. Troisième chose, d'avoir le meilleur akhlaq, d'avoir le meilleur caractère. Et quatrième chose, eh bien, d'œuvrer pour avoir un rizq halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi vu le jannat. Hein, inch'Allah, la prochaine fois on va parler du jannat. Et le jannat, c'est assez extraordinaire. Hein, dans le Coran, lorsqu'Allah il parle, il dit « Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun » Il dit que le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis pour ceux qui craignent Allah. Il dit, fiha anharum min laban, dedans il y a des rivières de lait, wa anharum min asal, il y a des rivières de miel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, pour les hafizul Qur'an, il a créé des châteaux hein, de couleur blanche devant lesquels il y a une rivière qui coule avant d'entrer dans le Jannat. Inch'Allah, on va tous boire de l'eau d'une rivière, jamais plus nous n'aurons faim, jamais plus nous n'aurons soif, jamais plus nous urinerons, jamais plus nous irons à la selle, etc. Le Jannat est extraordinaire. Ce Jannat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous. Pourquoi réfléchir sur cela? Parce que mes frères, il faut penser. Et si le prochain sur la liste de Malakul Maut, c'était moi? Il faut que lorsque je parte, je retourne vers Allah, au moins dans mon cœur, j'ai le regret, le remords pour ce que j'ai fait de mal dans ma vie. At-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. Celui qui se répand de ses péchés est comme celui qui n'a jamais fait de péché. Il faut avoir ce taqwa, cette crainte d'Allah. L'objectif, c'est pas de dire que moi je suis un bouzour, moi je suis un homme saint. Qui est muttaqi, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yanzuru ila jasamikum. Allah ne regarde ni vers vos corps, voilà, ila suarikum, ni vers vos visages, voilà, kin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais Allah, il regarde vers vos cœurs et vos œuvres. Il nous appartient de changer, de demander tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, j'insiste, de construire un environnement de din dans la maison, de m'assurer que mon fils de 14 ans, c'est le Coran. Il ne suffit pas de prendre mon enfant, de le déposer à la madrasa et de dire que c'est la responsabilité du Moulissab qui sait lire le Coran ou pas. C'est à moi de m'assurer que mon enfant sait lire le Coran. C'est à moi de m'assurer que mon enfant fait la salat, même le dimanche, même dans les vacances, même lorsque nous sommes en voyage. Ça, c'est le rôle d'un père. Et c'est à moi de créer un environnement d'amour, un havre de paix dans ma maison. Maulana Masihullah, rahimahullah, il disait que si quelqu'un il veut obtenir le paradis, c'est très simple. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, aimez votre femme. Faites de votre femme la reine de votre maison. Ne soyez plus celui qui gouverne dans la maison, mais donnez-lui la gouvernance. Et comblez votre femme. Vous savez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur parmi vous est celui qui a le meilleur akhlaq. Et l'homme qui a le meilleur akhlaq, celui qui comporte le mieux avec son épouse, c'est que faire en sorte que dans nos maisons, il n'y a pas de dispute. Un enfant qui grandit dans une maison où il ne voit jamais son père et sa maman se disputer, c'est un enfant qui va vivre avec des prédispositions pour réussir et pour vivre eh bien, dans une vie harmonieuse. Et ça, Iman nous enseigne cela. Allah tabarak wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs passées. Allah tabarak wa ta'ala pardonne à l'ensemble de la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée parmi ses pieux serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie jusqu'à Ramadan et nous permet d'accomplir les bons a'mal qui nous permettent de trouver eh bien, son contentement, incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا رب المستضعفين والله toi qui es clément miséricordieux omniscient omnipotent seigneur des cieux seigneur des terres والله toi le premier والله toi le dernier والله toi le majestueux والله toi le tout miséricordieux والله toi le très clément والله toi le pardonneur والله toi qui aimes pardonner والله toi qui fais scintiller les étoiles والله toi dont la miséricorde Miséricorde descend sur terre, ô Ilah al-Alamin, toi qui nous as guidés dans ta maison, toi qui nous as choisis pour entendre parler sur ton dîn aujourd'hui, ce dîn que tu as agréé, Ilah al-Alamin, ô Allah, pardonne-nous, ya Allah, pardonne-nous nos péchés kabira, sarira, volontaires, involontaires, conscients, inconscients, péchés commis dans l'obscurité de la nuit ou dans la lumière du jour, ô Allah, pardonne-nous, ya Allah, et Allah, nous regrettons nos erreurs passées, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. إله العالمين يا ذا الجلال والإكرام pardonne-nous si toi tu ne nous pardonnes pas qui nous pardonnera يا الله tu aimes pardonner والله tu as dit والله demandez et je vais répondre Demandez et je vais répondre, Wallah. Et Allah, nous t'invoquons, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Pardonne à nos parents, Ya Allah. Pardonne à nos épouses, Ya Allah. Pardonne à nos enfants, Ya Allah. Pardonne à l'ensemble de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les vivants et parmi les défunts, Ya Allah. Ceux qui nous ont quittés, Ya Allah, fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du Jannat, Ya Allah. Ilah al-Alamin, si nos parents sont vivants, Ya Allah, mets barakat dans leur vie, Ya Allah. Donne-leur une longue vie, Ya Allah, dans la Afiat, ya Allah. Et Allah, ne nous éprouve pas, ya Allah, car nous sommes faibles, ya Allah. Accorde-nous la afiat, ya Allah. Accorde-nous la hidayah, ya Allah. Accorde-nous la bonne guidée, ya Allah. Protège-nous du kufr, ya Allah. Protège-nous du shirk, ya Allah. Protège-nous de la bid'a, ya Allah. Et Allah, protège-nous de l'égarement, ya Allah. Accorde-nous la vertu, ya Allah. Et Allah, accorde-nous la crainte pieuse, ya Allah. Agrée-nous parmi ceux qui se réveillent la nuit devant toi, ya Allah. Accepte-nous parmi ceux qui sont honnêtes, ya Allah. Accepte-nous parmi ceux qui sont véridiques, ya Allah. Et Allah, donne-nous un rizq halal, ya Allah. Protège-nous, ya Allah, du haram, ya Allah. Et Allah, fasse que le haram nous soit détestable, ya Allah. Ilah al-Alamin, protège-nous de shaitan, ya Allah. Protège-nous des turpitudes de shaitan, ya Allah. Ilah al-Alamin, donne-nous une bonne compagnie, ya Allah. Celle qui nous permet, ya Allah, de trouver ton contentement, ya Allah. Ilah al-Alamin, fais grandir nos enfants sur le dîn et islam, ya Allah. Et Allah, garde le dîn et islam dans notre famille, dans notre descendance jusqu'à yawm al-qiyama, ya Allah. Ilah al-Alamin, donne-nous la mort avec iman, ya Allah. Donne-nous la mort avec iman, ya Allah. Donne-nous la mort avec iman, ya Allah. Protège-nous des difficultés de l'agonie, ya Allah. Et Allah, protège-nous du châtiment de la tombe, ya Allah. Et Allah, accorde-nous une belle résurrection parmi les vertueux, parmi les prophètes, parmi les saints. Ya Allah, Ilah al-Alamin, donne-nous notre livre de compte dans la main droite, ya Allah. Et Allah, accorde-nous le Jannat al-Firdaus sans hisab, ya Allah. Ilah al-Alamin, ceux qui sont malades, donne-leur la santé, ya Allah. Ceux qui sont malades, donne-leur la santé, ya Allah. Ceux qui ont des dettes, permets-leur de payer leurs dettes, ya Allah. Quelle que soit l'angoisse qui oppresse l'un d'entre nous, ya Allah, délivre-le, ya Allah, de ses soucis, ya Allah. Et Allah, mets mahabba entre nous, ya Allah. Fais de nous, ya Allah, des facteurs de l'union, ya Allah. Protège-nous de la division, ya Allah. Et Allah, protège-nous d'être un vecteur de division, ya Allah. Ya dhal jalali wal ikram, accorde-nous ikhlas, accorde-nous la sincérité, accorde-nous la force et le courage, ya Allah, pour trouver ton contentement, ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.